إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية حث nous a encouragé عز وجل à multiplier les efforts. سارعوا, ça vient du mot سرعة, أي dépêchez-vous, empressez-vous إلى مغفرة من ربكم وجنة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité al-jaza, la récompense. Et il nous a encouragé à nous précipiter à faire les causes pour acquérir, pour pouvoir profiter de hada al-jaza al-azim. U'iddat lil-muttaqin. La cause, une des principales causes, c'est al-taqwa. Et al-taqwa, c'est al-amal al-salih lillahi azza wa jal. C'est s'écarter de ma haram Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça en espérant la récompense d'Allah azza wa jal. Wa qala subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, fastabiqu al-khayrat. Fastabiqu, ça ressemble au fi'l sari'u, à l'istibaq. Ça nous montre qu'on doit faire des efforts, se concurrencer fi hadha al-bab al-azim. Alhamdulillah, tu as la capacité. Alhamdulillah, roubama, tu es en bonne santé. Enfin, ne néglige pas ce point. Sa'adatu al-mar, c'est bi hadhihi al-a'mal as-saliha. Le bonheur de l'être humain, il réside dans la mise en application de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Kadhalik, s'écarter de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ils nous ont interdit. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a qal badiru bil a'mal fitanan ka qita'i l'ayl al mudlim. Badiru, un autre fi'l qui ressemble aux deux autres af'al qui sont cités dans les deux versets qu'on a cités précédemment. Sari'u, fastabiqu, badiru. Tout ça pour montrer que tu dois faire des efforts et tu dois t'empresser à faire ces efforts. L'insan, il ne sait pas est-ce qu'il aura du temps, est-ce qu'il pourra encore plus tard, est-ce que l'ange de la mort, il ne récupérera pas son âme avant. Tout ça, l'anadri. C'est pour ça que min a'zami al-asbab, parmi les plus grandes causes pour pouvoir accomplir ses efforts, faire des bonnes actions, كذلك s'écarter du haram, c'est de penser à la mort. قال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال. Empresse-toi, précipite-toi. فإنك ما تدري. ما تدري. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu pourras? Est-ce que tu seras toujours en vie? Est-ce que tu auras toujours la force? Est-ce que tu auras toujours la motivation? بل كما تقدم معنا, une des plus grandes causes, c'est de penser à la mort, كذلك de penser à certaines choses, que certains obstacles qui pourront se mettre entre toi et ces bonnes actions. Donc là, ça va te pousser à faire énormément d'efforts. وفي المقابل, parmi les plus grandes causes qui écartent l'être humain de la guidée et du khair, c'est التسويف, c'est de repousser. Penser avoir le temps. Repousser at-tawbah, repousser al-a'mal as-salihah. كذلك, faire des choses muharrama et penser qu'on aura le temps de se repentir, de délaisser ces choses. Tout ça, c'est min talbis, iblis. Al-hada, ces deux versets qu'on a cités. Et le début de ce hadith, hathun, un encouragement pour chaque mu'min de s'empresser à faire le bien. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم.
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a cité une des causes, un obstacle qui peut se mettre entre l'insan ou l'amal al-salih, qui peut se mettre sur son cheminement al-sirat al-mustaqim al-fitan ayyadan billah ka qita' al-layl al-mudlim lianna al-huda la guidée al-ilm c'est souvent comparé à la lumière al-nour et Huna An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a comparé هذه الفتن ces épreuves ces ambiguïtés ces tentations iyadan billah bi al-layl al-mudlim comme la nuit obscure et l'être humain qui est dans un endroit obscur et qui n'a pas de quoi s'éclairer il est en danger hakada celui qui ne fait pas d'effort fil ilm dans l'apprentissage وهكذا ce qu'il a appris il ne le met pas en application c'est comme s'il avançait dans un endroit obscur à tout moment cette fitna elle peut lui causer énormément de tort فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a cité une des conséquences قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا cette époque de fitna et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous préserve et qui préserve tous nos frères يصبح الرجل le matin هذا الرجل ça sera un mu'min et le soir yumsi kafira le soir même il aura perdu son din à cause des fitan à cause des ambiguïtés à cause des shubah à cause des égarés à cause des tentations à cause de shaitan à cause de a'wan shaitan les alliés de shaitan قال ويمسي مؤمنا certains le soir ils seront croyants ويصبحوا كافرا Et le matin, ils auront perdu leur din. Qala, la cause. Suivez l'an. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au départ, il nous a encouragé à faire des efforts. Badiru bil a'mal. Et ne pas repousser. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré certains obstacles. Ils peuvent s'exposer à même al-muslim, al-mu'min, al-fitan. Certains, ayyadan billah, Ils se feront égarer. Ils deviendront des proies de cette fitna. Ils perdront leur din. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la cause. Il a montré la cause pour être sauvé. C'est al-a'mal. Et s'empresser à faire des bonnes actions et ne pas repousser. Il nous a montré l'obstacle. C'est al-fitna. Cette fitna, elle peut pousser certains à perdre leur din. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a précisé. Cette fitna, قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. Cette fitna, c'est الدنيا. Certains y vendent leur din pour quelque chose de futile, quelque chose d'éphémère de cette دنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مع أن الله عز وجل dans le Coran, le Karim, il a cité cette دنيا. Il nous l'a décrite. Il a montré qu'elle n'a aucune valeur. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Et dans l'autre verset, قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ هَذَا الْمَتَاعُ Et ces tentations, ces certains plaisirs de cette dunya, c'est des choses éphémères, c'est très très peu. Ça n'en vaut pas le coup. أَخِ الْمُؤْمِنِ Bien sûr, on parle du haram et de tout ce qui peut écarter un musulman de son dîn. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité هذه الدنيا, ce bas monde, c'est une énorme cause. Il y a certains, iyadan billah, des hommes ou des femmes qui ont perdu leur din à cause des tentations de ce bas monde. Al-Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, qala, kama fi kitab al-Zuhd, al-Hassan al-Basri, Yabn Adam, naharuk dhaifuk, fa ahsin ilayhi. تأملوا هذا الكلام الجميل et ces conseils de هؤلاء الأئمة أئمة السنة الحسن البصري رحمه الله إمام كبير il est معروف عند الجميع رحمة الله عليه il a conseillé ses frères المؤمنين بهذا الكلام الجميل قال نهارك ضيفك pour montrer l'importance du temps et كذلك pour t'encourager à œuvrer Et à ne pas repousser, et à ne pas tomber dans l'insouciance.
نهارك ضيفك. Chaque jour que tu commences, accueille cette journée comme un invité. قال فأحسن إليه. Vu que c'est un invité, et l'invité, tu dois prendre soin de lui, tu dois lui donner de l'importance. قال فأحسن إليه. فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك. Si tu prends soin de cet invité, tu lui donnes de l'importance. Cet invité, quand il partira, et cette journée, elle va s'écouler, elle va se terminer, فالحمدلله, tu auras profité de cet invité. فَلِهَذَا, cette image, bien sûr, elle est واضحة, أَنَّ, si tu utilises ce temps, tu donnes de l'importance à cette journée, et cette journée, bien sûr, il y a des obligations à respecter, certaines choses recommandées à faire, des interdictions à ne pas faire, des endroits à délaisser, etc. Enfin, si tu donnes de la valeur à ces choses et tu respectes et tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala et tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu auras profité de cette journée. Yawm al-qiyama, cette journée, ça sera une hujja pour toi. Et ta vie, c'est une suite de journées. C'est ça ta vie. Notre vie, c'est quoi? C'est hier, aujourd'hui, ceux qui vivront demain, après-demain, et depuis qu'on est né, c'est une suite de journées et de nuits qui s'enchaînent. Enfin, si tu donnes le haqq à ces journées, ces nuits qui s'enchaînent, et tu les accueilles comme un invité, tu leur donnes de l'importance, il a akhiré, enfin, incha'Allah ta'ala, ça sera une hujja pour toi. Thumma, qala rahimahullah, wa in asa'ta ilayh, si tu ne prends pas soin de cet invité, tu ne lui donnes pas de valeur, irtahala bidhammik. Cet invité, il partira. Chaque jour, tu as un invité. Ça commence le matin et jusqu'à le lendemain, si on compte la journée et la nuit, 24 heures. Quand il partira, walaboud. Enfin, imma c'est pour toi, imma c'est contre toi. Un jour, c'est toi qui partiras. Un jour, c'est toi qui partiras. Tu mourras, tu seras enterré. Thumma, cette succession de journées et de nuits, tu auras des comptes à rendre. Tasawwur, un tel ou un invité vient chez toi, tu ne l'accueilles pas, tu ne lui ouvres pas la porte, tu ne lui parles pas. Il va attendre un peu, il va partir et bien sûr qu'il va mal le prendre. Hakada hadhihi al-ayyam wal-layali. Wa Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il a cité un autre mithal tayyib dans son sharh ala Nuniyat ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Al-a'malu as-salihah bimanzilati al-matar yusqi ash-shajar. Il a comparé al-a'malu as-salihah bil-matar. Il a comparé avec la pluie. Al-Hassan rahimahullah, il a comparé hadhihi al-a'mal qu'on fait durant la journée bil-dhayf. Il les a comparé avec un invité. Le deuxième exemple, al-matar, la pluie. Yusqi ash-shajar. La pluie, c'est très très profitable, bénéfique pour les êtres humains, pour les animaux, pour les plantes, pour les arbres, pour les fruits, pour tout le monde. Un pays qui est touché par la sécheresse, c'est un pays qui sera dans une situation très très difficile. Et ses habitants, ils souffriront. قال رحمه الله وشجرة الإيمان هي شجرة في القلب ولكن الأعمال الصالحة تغذيها وتنميها. هذه الشجرة ولله الحمد qu'on a détaillé en expliquant la risala de l'imam al-Sheikh Sa'di rahimahullah, shajaratul iman. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala قال هذه الشجرة qui est dans le cœur, shajaratul iman, at-tawhid, al-aqid al-sahiha. Tu nourriras cet arbre avec l'a'mal al-saliha. L'anna al-iman, c'est pas mujarrad dans le cœur, comme certains égarés y disent. Là, al-iman, c'est dans le cœur, c'est des paroles et c'est des actions. Ces actions, ces œuvres pieuses, c'est bimanzilat al-matar, pour cet arbre que tu as dans le cœur. Qala rahimahullah, tughdiha wa tunammiha. Comme l'eau, c'est la principale nutrition pour l'arbre. Un arbre sans eau, il mourra. Et un arbre qui est arrosé, il vivra. Fahakada al-iman avec al-a'mal. Plus l'insan délaisse les a'mal, plus son arbre, avec de la foi, sa foi diminuera. Plus
Et mais en application, sincèrement bien sûr, et en suivant le Nabi alayhi salam, plus cet arbre il donnera encore plus de fruits. قال رحمه الله ولذلك كلما عمل الإنسان عملا ولذلك كلما عمل الإنسان عملا صالحا على الوجه المطلوب منه يجد أن إيمانه يقوى ويزداد. C'est pour ça que le mu'min, quand il fait des efforts, maintenant le mois de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan encore plus, maintenant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, maintenant quand tu vas au Hajj, maintenant quand tu fais salat fil masjid, maintenant quand tu jeûnes certains jours recommandés, tu sens que ton iman y monte. Pourquoi? Léanna, tu as arrosé ton cœur avec hadhihi al-a'mal as-salihah. قال ولذلك كلما عمل الإنسان عملا صالحا على الوجه المطلوب منه يجد أن إيمانه يقوى ويزداد ويزداد قربا من الله عز وجل فالأعمال الصالحة كالمياء للأشجار. Donc les bonnes actions c'est بمنزلة الماء للشجر. Donc pour nourrir ton cœur, pour augmenter هذا الإيمان, la foi, la principale cause c'est l'a'mal as-saliha. Qira'at al-Qur'an, al-Adhkar, as-salat, tous les piliers de l'islam bien sûr, et toutes les bonnes actions. Ta'ammal qawl al-imam al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ala al-wajh al-matloub minh. Hadha al-qayd li muhim jiddan. C'est pas tout le monde qui profitera de hadha. C'est pas tout le monde qui va arroser cet arbre avec une eau pure. Et cet arbre, il va profiter de هذا الماء. Ce n'est pas pour tout le monde. كم من الناس يعملون ولا يستفيدون. بل c'est contre eux. تأمل حال المنافقين. Ils font certaines actions, ils font salat, ils font le hajj. Certains ont fait le jihad avec la meilleure créature, le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. وما استفادوا. Ça nous montre أن هذه الأعمال. Vous avez remarqué, depuis le début, on précise l'a'mal as-saliha. Ce n'est pas n'importe quelle action. Notre din, ce n'est pas fondé sur kathratul amal. Là, notre din, il est fondé sur l'a'mal as-salih. Et si ce amal as-salih, le mu'min, il en fait énormément, c'est un khir azim. Amma kathratul amal, le fait d'œuvrer sans revenir à cette précision, ala al-wajhi al-matloub, et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné Azza wa Jal. Wastaqim kama umirt. Hakada qala Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istiqama, c'est le fait de suivre le droit chemin en mettant en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son message alayhi sallallahu alayhi wa sallam et s'écarter des interdits. C'est ça l'istiqama. Donc c'est le fait de faire des bonnes actions et de s'écarter des mauvaises actions. Qala Azza wa Jal, wastaqim kama umirt. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Ça nous montre أن الهوى, le suivi des passions, c'est très très dangereux pour le mu'min. كَمْ مِنَ النَّاسِ يَعْمَلُونَ لَكِنَ الْعَمَلِ il est fondé sur الهوى. Ils ne sont pas récompensés. Belle, c'est très très grave. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié البدعة de ضلال. Et البدعة c'est من الهوى. Et البدعة c'est une action, لكن ce n'est pas une bonne action. Comme les gens, ils inventent des salawat, ils inventent des adhkar. Ils font des choses, en apparence c'est une adoration, mais ils innovent. Ils m'ont dans la façon, ils m'ont dans le lieu, ils m'ont dans le temps, ils m'ont dans le nombre. Et, yadam billah, hadhal amal, c'est plus un amal salih, bel c'est une bid'a. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, kullu bid'atin dhalal. Chaque bid'a, c'est un égarement. Hadhal qayd, il est muhim. Et cette précision, al-amal as-salih, si tu veux profiter de هذه الأعمال, ces actions que tu fais, فحرص أن يكون هذا العمل عملا صالحا. فلهذا قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à la khair, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et que ses actions elles soient acceptées, et bien sûr pouvoir profiter de la récompense, et le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère tout ça, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à la khair, فليعمل عملا صالحا. Pas n'importe quel amal, l'amal الصالح,
ولا يشرك بعبادة ربه أحد. Donc tu as ces deux conditions, العمل الصالح et le fait de s'écarter du shirk, أي الإخلاص التوحيد. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال عند هذه الآية: وهذان ركنا العمل المتقبل. Les deux piliers, وبعض العلماء يدي الشروط, les deux conditions pour que العمل يكون متقبلا, أي كالله سبحانه وتعالى il l'accepte, ils sont cités dans ce verset. العمل الصالح et s'écarter du shirk. قال رحمه الله: لابد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن هذا العمل que tu fais, tu espères la récompense, tu veux appliquer قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات, tu veux appliquer la parole du prophète صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال, et le fait de s'empresser à faire des bonnes actions, la première chose, fais attention à ton intention. Pourquoi tu fais cette chose? Si c'est pas l'Illah, si c'est pas pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est pas pour se soumettre à Allah azza wa jal, comme a dit Ibn Qayyim rahimahullah, fala tut'ib nafsak. Celui qui veut se montrer, iyadan billah, qu'il ne se fatigue pas. Lianna hadha al-amal, ça sera contre lui yawm al-qiyamah. Lianna, la première étape, on doit corriger notre intention, purifier hadha al-qalb min al-shirk, min al-riya, min al-sum'ah. Tout ça, on doit faire attention. Et tant qu'on est vivant, on n'est pas à l'abri. Rappelle-toi le hadith « Yusbih al-rajul mu'mina » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié « Had al-rajul » cet homme ou cette femme de « mu'min » de croyant. « Yusbih mu'mina wa yumsi kafira » ou « yumsi mu'mina wa yusbih kafira » Ta'ammal hada. Tout ça, ça a des causes. « Ad-dunya » Et كذلك, عيادا بالله, vouloir œuvrer pour les autres, vouloir se montrer. Tout ça, c'est très, très néfaste, très, très dangereux pour l'Iman, pour la foi. قَالَ صَوَابًا عَلَى الشَّرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ. La deuxième condition. هَذَا الْعَمَلْ الصَّالِحِ. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps de lire. Prends le temps de demander si tu ne sais pas. أَمَّا الطَّيْشِ وَالْعَجَلَ. Se précipiter et faire comme les gens y font. Tout ça, c'est une source pour s'écarter de la voie du prophète alayhi salatu wasalam. فَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. Celui qui ne suit pas la voie du prophète alayhi salatu wasalam, forcément, il suivra des passions. Il m'a les passions des juifs, il m'a les passions des chrétiens, il m'a les passions des hypocrites, il m'a les passions de tel groupe égaré. وَلَا بُدْ لِيَنَّ الْحَقْ. La vérité, le droit chemin, c'est la voie du prophète, alayhi salatu salam. La ghayr. Fahdhar min al-jahl. Fais attention à l'ignorance. Fais attention à taqlid. C'est pas que un tel ou un tel ils font, ou ils ont dit, ou al-amal, l'action, elle est répandue, que forcément, c'est une œuvre pieuse. Là, apprends, donne du temps au ilm. Donne du temps pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wahdhar, on le répète, anna al-a'mal, les bonnes actions, il y a des choses, mubtilat al-a'mal, des choses qui peuvent annuler les actions. Al-shirk al-akbar, ça annule toutes les ibadat. Et rubama, l'ostentation al-riya, ça peut annuler al-a'mal lui-même. Fa'ala kulli hal, al-muslim, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et apprendre son din. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة الصف قال يا أيها الذين آمنوا un خطاب tous les croyants sont concernés. هل أدلكم على تجارة. Est-ce que vous voulez connaître, vous voulez savoir une تجارة, un commerce? تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. هَذِهِ التِّجَارَةِ, elle va vous préserver d'un châtiment terrible. قال عز وجل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى il a cité l'Iman,
Bien sûr, c'est la base, la foi, le tawhid, l'aqida, le sahiha. Et il a cité le jihad fi sabilillah, bil amwal wal anfus. Et le jihad, c'est un amal min al a'mal. C'est min afdal al a'mal. Le jihad avec son nefs et avec ses biens. Et il n'y a aucun doute anna al a'mal al saliha, c'est une cause, une des principales causes pour être préservé du châtiment. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية هذه وصية دلالة هذه وصية دلالة وإرشاد من أرحم الراحمين. On doit donner du temps au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, للأسف نحن أحيانا on se précipite et التأمل والتدبر لقليل أحيانا. Mais si on prend le temps, quand on lit, de réfléchir, de méditer, de chercher à comprendre, demander, c'est un conseil. Si tu veux réussir, comme les gens qui s'intéressent dans les projets. Et ils font énormément d'efforts dans la tijara ad-dunyawiyya pour subvenir à leurs besoins, etc. Et à la base, c'est permis, c'est halal, bien sûr. Tant que ce n'est pas une tijara dans le haram et tant que ça n'écarte pas ce commerçant de son dit. Mais une tijara a'zam. Et beaucoup de gens, ils sont insouciants par rapport à ce commerce, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité. Al-Iman billahi wa rasulihi, faire des efforts pour apprendre son din, pour apprendre sa aqida, pour apprendre at-tawhid, pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hakada les bonnes actions. Et parmi les meilleures actions, al-jihadu fi sabilillah. Qala azza wa jalla, dhalikum khayrun lakum. C'est meilleur pour vous. Et si on réfléchit un instant, هذا الجهاد العظيم que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité et ses efforts pour appliquer son din, ça demande énormément de sacrifices, ça demande du temps pour apprendre, pour comprendre, pour mettre en application, ça prendra du temps. Ça montre que tu dois faire des choix. Amma celui qui pense qu'au commerce de cette dunya, un projet, thumma un deuxième, thumma un troisième, il a de quoi wallahi alhamd vivre lui et ses enfants. Lakin il est attiré par dunya. Et le peu de temps qui lui reste à un autre projet, ça lui fera énormément de mal. L'être humain, comme on a dit, sa vie c'est une succession de journées. Si cette journée elle est remplie du matin au soir que de projets, que de dunya, que d'argent, que de... le cœur il durcira. Et il aura des manquements ou à la boude. Et il se prive de avant le commerce le plus profitable, le plus important. التجاره مع رب العالمين لان هذه التجاره اللي avec entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره التجاره qui va te préserver du châtiment. التجاره مع الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ سعدي رحمه الله لاعظم تجاره واجل مطلوب واعلى مرغوب يجعل بها نعم او يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. هذه التجارة. Et on peut la résumer, c'est le fait d'être sincère, adorer Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et accomplir pour celui qui a la capacité, هذه العبادة العظيمة الجهاد بالأموال أو بالأنفس. Et تقدم معنا dans plusieurs دروس أن العلم, faire des efforts dans l'apprentissage, c'est une catégorie de jihad. Bel, c'est un jihad azim. Qala rahimahullah, wal fawz bin na'im al muqim. C'est une cause kadhalik pour avoir une énorme récompense yawm al qiyamah. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, qala inna adh-dhunub tunsi al-'abd hadhahu min hadhihi at-tijara ar-rabiha. الذنوب. Pourquoi on a du mal à appliquer مثل هذه الآيات
à la parole, c'est très facile. Tijara, ce commerce, c'est le meilleur des commerces. C'est un commerce mais Allah subhanahu wa ta'ala. La récompense, elle est énorme. Le croyant sera préservé du châtiment, il aura une énorme récompense. Lakin, pourquoi ahyanan, on fait pas cette dunya avant? Pourquoi dans certains cas, on a d'énormes manquements? Adh-dhunub, les péchés. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite, il waffiqu celui qui est sincère, celui qui est sérieux. Celui qui veut le khir, celui qui fait des efforts. Mais celui qui se laisse aller. Et il suit ses passions. Et il obéit à Shaitan. Et il commet des interdits. Voilà. Il sera écarté de hadhihi tijara al-azima par rapport à ses manquements. Qala rahimahullah, inna al-dhunub tunsi l'abd hadhahu min hadhihi tijara. Tamal qawlahu tunsi. Sahih, ahyanan, des choses claires. Les savants, les hommes pieux, ils font ces choses et ils donnent énormément d'importance et ils sont sérieux. Et tu trouves d'autres, ils pensent même pas à cette chose. Une chose très très simple. Ahyanan al-khayr, on doit pas se faire avoir par al-shaytan. Al-shaytan, il essaie de nous faire croire que al-khayr c'est seulement le fait d'aller au hajj, le fait d'aller au umrah, le fait de faire le jihad, ça. L'échec, c'est des récompenses très très profitables. Lakin certains, ils ne peuvent pas accomplir hadith l'ibadat. Natalan l'hajj, c'est une fois par an et tu ne peux pas le faire tous les ans, Rubama. Lakin, min al-a'mal, comme on verra dans notre étude, Inch'Allah ta'ala, la risala de Shir Sa'di, a'malun sahla jiddan, Rubama, c'est une parole. Et cette parole, tu n'as besoin d'aucun effort. En marchant, tu peux faire du zikr. Quand tu es assis, tu peux faire du zikr. Quand tu fais tes courses, tu peux faire du zikr. Quand tu viens au dors, tu peux faire du zikr. Quand tu es assis, tu attends quelque chose, maintenant tu attends à manger, tu peux faire du zikr. Lakin, pourquoi on oublie? C'est à cause des péchés. Il n'y en a plus. Al-insan, il fait des péchés, plus son cœur est durci. Plus le cœur est durci, plus ça devient un cœur très très paresseux. Yansa kathiran. Et ce cœur, il ne te rappellera plus le khayr. Ça, c'est hikmatullah subhanahu wa ta'ala. Plus l'insan, il fait des efforts, il purifie ce cœur. Il fait des efforts. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le waffaq. Tu trouves deux croyants. Maintenant, ils sont assis dans un même endroit. Maintenant, ils attendent leur tour pour quelque chose. Tu trouves, هذا يذكر الله. Rubbama, il écoute du Coran. Rubbama, il a son matni révise. Peut-être qu'il voit un munkar, il fait une nasiha. Cette assise, cette attente qui dure une demi-heure, il a un ajr azim. Et tu trouves l'autre, il est fait rafla. Rafla sahiqa. S'il ne fait pas de haram. Khasatan avec cette monsiba des téléphones. S'il ne regarde pas du haram, il n'écoute pas du haram. Là, on parle maintenant de wahed neutre. Il est assis. Et il ne fait rien. Le dhikr ou le shi, il regarde, il a le regard vide. L'imadal, il y en a le cœur, il ne répond plus. Le cœur, il ne répond plus. C'est exactement comme le physique. Vous avez remarqué, des fois, tellement que tu fais un effort, ou tu tombes malade, ou tu es fatigué, ton corps, il ne répond plus. C'est comme ça, le cœur. C'est la même chose. Falihada qala Ibn Qayyim rahmatullah alayhi. إن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان انتهى كلامه رحمه الله. Vu que l'insan ne peut pas rester neutre, كل الناس يغدو هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Chacun de nous, il fait des efforts dans une chose. Le matin, on se réveille tous et on fait des choses. Certains c'est du khayr, certains c'est du shar. Tu ne peux pas rester neutre. Al-iman yazid wa yanqus. La foi elle monte, elle descend. Enfin, vu que, à cause des péchés, le cœur il s'endurcit, cet être humain il tombe dans l'insouciance, enfin, il sera forcément occupé par autre chose. S'il n'est pas occupé par hadhihi tijara ma'a rabbil alamin azza wa jal, il sera occupé par une autre tijara. Dans ce bas monde, on est tous fi tijara wa la bout. قال وتشغله بالتجارة الخاسرة. Il sera occupé par une tijara khasira. أعمال qui l'écarteront de la voie du prophète عليه الصلاة والسلام. Des péchés, la médisance. Et on peut même garder l'exemple de التجارة. Certains, التجارة c'est devenu une fitna عظيمة. Ils n'arrivent plus à faire salat à l'heure, ils n'arrivent plus à faire salat fi jama'a. Certains ils ne font plus salat du tout. التجارة ربما ça ouvre des portes de haram. Si l'insan il n'est pas sérieux,
la mixité, des contacts avec des femmes. Certains, ils ne patientent pas, ils volent, ils mentent. À la base, c'était pour subvenir à ses besoins. Et en tant que mu'min, tu dois faire des efforts pour subvenir à tes besoins, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient une énorme fitna. Elle lui prend tout son temps et elle l'écarte de son dîn. Nas'alullah azza wa jal as-salama wa al-afiyah. Tadhakkar akhi al-karim, on a déjà cité hada et c'est un point très très important. Hal al-mawta. On a parlé de la mort. C'est un énorme rappel. Fatadhakkar anta hal al-mawta. Ça c'est très très profitable. Si tu veux avancer, pouvoir mettre en application hadhihi al-a'mal as-salihah. Rappelle-toi toujours de la situation des morts. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم au départ il a interdit la visite des tombes. ثم لما انتشر التوحيد et ولله الحمد الخير s'est énormément propagé, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a autorisé la visite des tombes et il a cité un énorme bienfait. On a visité les tombes. Aller au cimetière, c'est très très profitable. Ça rappelle l'akhira. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu seras dans un cimetière. C'est catégorique. Un jour, tu seras enterré. Tout le monde mourra. Mais vu qu'on est encore vivant, c'est très très profitable. قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله سبحانه وتعالى il a informé عن حال كثير من الأموات. Beaucoup d'êtres humains, lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils basculent dans l'autre demeure, ils délaissent ce bas monde. قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت. Lorsqu'un de هؤلاء il meurt, qu'est-ce qu'il dit? Une des premières choses qu'il espère, c'est de revenir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se marier, il veut travailler, il veut prendre du plaisir. Qu'est-ce qu'il veut faire cet être humain? Les regrets. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut revenir pour faire des a'mal saliha, des bonnes actions, et combler les manquements qu'il a eus quand il était vivant. Ça, c'est hal al-amwan. Ça, c'est l'état, la situation de ceux qui sont morts. Nahnu walillahi alhamd, on est vivant. Et on mourra. Si on réfléchit un instant, et si Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nos cœurs, enfin, on va tirer une leçon très très bénéfique. Hey, on doit faire attention, après notre mort, de ne pas regretter comme ha'oula, ils ont regretté. La solution pour ne pas regretter, c'est quoi? Les morts, ils l'ont comprise. Parce que après la mort, ils ont vu des choses. Certains, ils ont goûté le châtiment dans la tombe, etc. La solution, on est tous d'accord, c'est quoi? C'est l'amal salih. Eux, ils ne peuvent plus, ils sont morts. Nous, on peut, on est vivants. Donc, ça doit nous pousser à agir. قال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Dans ce deuxième verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne « وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ » Ça c'est « عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَلِ الصَّالِحَةِ » الْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Donner فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثم Allah subhanahu wa ta'ala قال « مِنْ قَبْلْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ » Et avant que vous ne goûtiez à la mort, ثم vous dites, et comme certains y disent parmi les morts, فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. Lorsqu'il goûte à la mort, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il supplie Allah azza wa jalla haoula que l'échéance elle soit retardée. Et ils veulent un ajout dans leur durée de vie. Pourquoi? قال عز وجل فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. Pourquoi ils veulent revenir? Pour faire hadhihi sadaqa, donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, il nous encourage dans beaucoup de versets azza wa jalla, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans énormément de hadith, de donner fi sabilillah.
Et celui qui donne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera encore plus. Lorsqu'ils goûteront à la mort, la seule chose qu'ils voudront, c'est revenir et faire des sadaqas, donner. Fa as-sadaqa wa akum min as-salihin. Rabbama hada ar-rajul ou hadi al-mar'a, cet homme ou cette femme, peut-être que c'était des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La iman, la din, la amal, la salat, la sadaqa ou la shay, rien du tout, ils pensaient qu'à dunya. Mais lorsqu'ils goûteront à la mort, ils espéreront revenir. Pourquoi? Pour faire partie des gens pieux. Enfin, tant que tu es vivant, tu as une force azime. Et ça, c'est min fadlillahi azza wa jal. Il nous a cité la situation de Ha'oula dans le Coran. C'est pour ça que le Coran, on doit le lire et faire des efforts pour comprendre. On doit le lire pour mettre en application. Le but, c'est pas que tourner les pages. Et j'ai lu un juz, deux juz, j'ai fini le Coran en trois jours, en une semaine, en un mois. C'est pas ça le but. Le but, c'est de le lire, de le comprendre et de mettre en application. Et alhamdoulilah, celui qui a des facilités et il lit beaucoup et ça lui sert, alhamdoulilah. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة وبركعة. انظر ابن رجب رحمه الله en se basant sur les versets qu'on a cités, قال الموتى في قبورهم يتحسرون. الحسرة c'est les regrets. في الدنيا des fois, tu as des regrets dans certaines choses. Et les regrets, ça fait mal. Tu sens que ça te brûle de l'intérieur. Mais un mu'min, il doit dire قَدَرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ou قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. Et il n'ouvre pas la porte à Shaitan. Mais on est des êtres humains. Dans certaines choses, tu as des regrets. Et nous, les regrets, ici-bas, on doit faire des efforts pour se corriger, ne plus faire les mêmes erreurs. أَمَّا après la mort. أَمَّا لَنْتَ. C'est pas des regrets pour un travail ou pour une façon de faire ou tu regrettes d'avoir dit une chose. Fi dunya al-amr sahl, tu regrettes, tu demandes pardon, tu fais tawba, alhamdoulillah. La plupart des choses, tu peux les régler. Lakin ha'oula, ils sont seuls fi quburihim, on leur tombe, accompagnés de leurs mauvaises actions, iyadam billah, ala surat rajul qabih, avec le châtiment, avec une porte ou une fenêtre ouverte en direction de an-nar. Et ils sentent la mauvaise odeur, ils sont touchés par le châtiment. Le cas que je cite, l'un, c'est le cas des kuffars. Ma'ahada, ils ont d'énormes regrets. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit de retourner sur terre, personne ne peut revenir. Enfin, ils ont que leurs regrets. Et Rabbama, c'est min ashad al-adab hada. Ça fait partie des plus grands châtiments. Les regrets, tu ne peux plus changer. C'est fini, c'est trop tard. Yatahassaroun. D'énormes regrets. Ala ziyadatin fi a'malihim. Ils pourraient donner tout ce qu'ils avaient fait à dunya pour prononcer ash-shahada. Qala bi tasbiha ou bi rak'a. Ils espéraient pouvoir dire une tasbiha. Tasbiha, c'est le fait de dire subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. C'est ça une tasbiha. Tu peux en dire des centaines de fois par jour, walillahi alhamd, ça te demandera pratiquement aucun effort. فقط في الغفلة ونولي وإلا مثل هذه الأذكار ستخط خفا السيل أديا أو ركعة كيسك ستبخو دفير أن ركعة لله عز وجل سي الحمد لله سي تخي سمب pour celui à qui الله سبحانه وتعالى يفاسلت المؤمن يفي 17 ركعة obligatoire par jour هو لله الحمد certains يراجوت هؤلاء يسون دي نعم غيغي قال ومنهم من يسأل الرجع إلى الدنيا لذلك فلا يقدرون على ذلك certains يدمندرون de revenir. On a cité les versets. Rabbi, rji'ouna, ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala de revenir. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit à tous ceux qui meurent de pouvoir revenir sur terre. Qala, rahimahullah, wa ruya ba'duhum fil manam. Certains, Ibn Rajab, il rapporte, rahimahullah, al-imam al-zahid, il rapporte à certains, à son époque, ils ont vu en rêve quelque chose, une ru'ya. Qala, ils ont vu un homme, et cet homme, c'était un mort parmi les morts. Et ils l'ont vu en rêve. قال ندمنا على أمر عظيم. Ce mort, il a dit, on regrette quelque chose de عظيم. نعلم ولا نعمل. Pourquoi? Parce qu'après la mort, tu vois énormément de choses. Tu n'es plus dans ce bas monde. Tu vois énormément de choses. Et certaines choses que tu entendais في القرآن أو في السنة, tu les vois devant toi.
فلهذا قالوا نعلم ولا نعمل. On voit الآن, on sait, لكن on ne peut pas mettre en application. قال وأنتم تعملون ولا تعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في الصحيفة أحدنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. Ce mort, qu'est-ce qu'il a dit? Ce mu'min qui a vu ce mort dans son rêve, qu'est-ce qu'il lui a dit? Une tasbiha. Ou deux. Le fait de dire subhanallah. Ou deux fois. Subhanallah, subhanallah. Ça prend une seconde. Qal, ou raka'a ou raka'atan. Faire une raka'a ou deux. Fi sahifati ahadina. Et si on pouvait ajouter dans nos suhuf. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que tu as préparé pour après la mort? Chacun de nous, les anges, ils inscrivent tout ce qu'il fait. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chacun de nous. Ha'oula, ils espèrent, ou ils voudraient rajouter dans hadhihi sahifa, dans le registre de leurs a'mal, de leurs œuvres, une ou deux tasbihas, une ou deux raka. Ça peut être une cause que tu sois sauvé au qiyam. Lakin, ce mort qui a été vu en rêve, il ne pouvait pas revenir. Abadan. Ibn Rajab, rahimahullah, il a rapporté هذه القصة pour que ça nous serve de leçon. فلهذا قال بعد ذلك قال بعض السلف, certains سلف ils disaient كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة. Tous les jours que tu vis, c'est une غنيمة. الغنيمة, c'est le butin. Et c'est un jour où tu peux amasser énormément de khayr. On reprend l'exemple du ضيف, du voisin. Tous les jours, tu reçois, j'ai dit le voisin ou l'invité, on reprend l'exemple de l'invité, tous les jours tu reçois cet invité, c'est une ghanima azima. Prends soin de lui, donne-lui, obéis Allah subhanahu wa ta'ala, crains Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha dhayf, et c'est une ghanima azima. Ba'd an-nas, maintenant, si tu leur montres un endroit, tu lui dis maintenant dans tel endroit, si tu vas, tu te déplaces, il y a énormément d'argent. Et je te laisse 24 heures, tu prends ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart des gens? Les 24 heures, mais c'est yenem. Les 24 heures, il va délaisser la nourriture, la boisson, il va pas dormir. Pardon, ils vont tout faire pour ne pas perdre les quelques secondes qu'ils ont besoin pour faire leurs besoins. Les quelques secondes qu'ils ont besoin pour faire leurs besoins. Ils essaieront de trouver un moyen. Pourquoi? Pour profiter de ces 24 heures et ramasser le plus. C'est exactement la même chose, ce bas monde, avec l'akhira. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné du temps, il t'a créé, il t'a montré le haqq, il a envoyé des messagers, il a fait descendre des livres, azza wa jal, et il t'a donné hadha al-waqt. Hadha al-waqt, c'est un moment pour amasser le maximum de khayr. C'est pour ça que ba'd as-salaf, certains, min a'immat as-sunna, min a'immat as-salaf, qu'est-ce qu'ils disaient? Tellement, rahimahumullah, ils ont fait des efforts. Ils disaient, si on me demande d'ajouter une chose dans ma journée, je ne peux plus. Tellement qu'ils avaient atteint un niveau, fi al-khayr wa sidq, et dans les efforts, si tu lui demandes, matalan, je te conseille d'ajouter, matalan, la lecture d'un hizb aujourd'hui. Il ne peut plus. La journée, elle est remplie de khayr. Du matin au soir, une minute, une heure ou plus, c'était pas négligé. Enfin, c'est pour ça que certains ils avaient atteint le maximum. Et on a tous des manquements. On a tous des manquements en tant qu'être humain. Lakin, la capacité, le fait de faire des efforts, etc., ils avaient atteint un khayr azim. Nahnul an, c'est ça le but de cette introduction. Nahnul an, si on se remet en question, et chacun de nous, il se connaît. Est-ce que tu peux ajouter certaines choses? Il n'y a aucun doute. On peut ajouter dans l'adhkar, on a des manquements. Dans la lecture du Coran, on a des manquements. Dans l'ilm, on a des manquements. Dans la mise en application, on a des manquements. Dans le da'wah, on a des manquements. Dans le comportement, on a des manquements. Dans silatul rahim, le fait de préserver les liens de parenté avec nos parents, on a certains manquements. Fadlan, certains qui sont un peu éloignés, oncles, tantes, cousins, il y a beaucoup de manquements. Ouais, tu viens dans tous les points, on a des manquements. Lakin, alhamdulillah, al-qa'il, jalla wa ala, faman ya'mal min as-salihat, wa huwa mu'min, falakufrana li sa'yihi, wa inna lahu,
كاتبون. Ça c'est une ni'ma. Une ni'ma, on ne doit pas désespérer. Abadan, le khayr hasil. Lakin, on doit encore faire plus d'efforts. Allah Azza wa Jal قال فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Celui qui fait des bonnes œuvres, des bonnes actions. وَهُوَ مُؤْمِنْ. La condition qui est citée كذلك dans le dernier verset de Sourate Al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Le short il est cité كذلك dans ce verset min Sourate Al-Anbiya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ. La condition, c'est un mu'min. Ses bonnes actions qu'il fait, il se base sur la sunna du prophète alayhi salatu salam, fala kufrana li sa'y. Personne ne pourra te retirer une hasana que tu as fait. Voilà où il n'est pas d'accord, voilà où il est jaloux, voilà où il veut salir ton image, voilà où il t'accuse d'être un hypocrite, d'avoir de l'ostentation, ça ne change rien si tu es sincère. Fala tubali bil haqidi. Fais des efforts. Wasbir bal Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sujet de notre risala qu'on commencera la prochaine fois bi-idhnillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est sincère et qui met en application, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, chaque bonne action elle sera comptée. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala shakurun karimun azza wa jal. Bel, comme on verra dans notre risala, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie chaque hasana par 10. Bel, ça peut atteindre 700 ou plus. Et certaines ibadat, Allahu a'lam, combien Allah subhanahu wa ta'ala multipliera la récompense. Kassom, qala azza wa jal, innahu li. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense les jeûneurs comme il veut. Pour terminer certaines causes, les anna se rappellent, wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala, ce rappel, il est profitable. On doit connaître les causes pour pouvoir le mettre en application. Et les causes pour faire des a'mal, la régularité, pour être plus sérieux. Une cause très très profitable, al-azimatu sadiqa. Al-azima. Avoir cette intention, avoir cette motivation. Vardenas, ils se font du mal eux-mêmes. Et la cause, bien sûr, c'est le shaitan. Ils sont toujours négatifs. Ya akhi, apprends hada. Je ne peux pas. Flaqiqa, il peut. Lakin, ouah, il se rabaisse lui-même. Bardennes, ils ont une himma. Elle est hazila jidden. Ya akhi, pourquoi tu ne fais pas d'effort dans telle chose? Ou tu lui recommandes, ou vous vous conseillez, ou vous parlez d'une chose, et ouah, directement, il se rabaisse. Oh, il se met en arrière. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. Certains, ils sont toujours derrière. Ils se rabaissent et ils veulent toujours être derrière. Ils n'aiment pas avancer, faire des efforts, etc. هؤلاء toujours ils reculent jusqu'à Allah سبحانه وتعالى. Il les laisse en arrière. Donc, العزيمة الصادقة, c'est très très important. Avoir cette intention, avoir la volonté. Celui qui n'a pas d'ambition, n'a pas d'objectif, comment il va faire des choses vraiment le minimum, et même le minimum, à cause de ses faiblesses, il aura des problèmes même dans le minimum. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. Ça, c'est un dua azim. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait al-thabat al-amr. Ça prouve quoi? Ça prouve que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu fais des efforts, tu apprends, tu es motivé, tu mets en application, ma'ahada, tu n'es pas à l'abri. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Lianna al-fitan kathira. Et on vit à une époque très très instable. Al-shubuhat khattafa. Al-insan il est da'if. Demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Wahdhar min al-ujb. Fais attention de ne pas croire que tu es à l'abri. Fais attention de ne pas croire les facilités que tu as, ça te pousse à rabaisser les autres. Ihdhar. Ça c'est bab al-halak. Al-shaytan il a péri à cause de son orgueil. Yadhkurun annahu c'est un abd. Il est avec les anges quand Allah subhanahu wa ta'ala il leur a ordonné de se prosterner. Lakin
أهلكه العجب والكبر. Il a pensé qu'il était à l'abri, il a pensé qu'il avait le choix, il a pensé qu'il était meilleur que Adam, il ne s'est pas prosterné, il a été condamné. Fahdhar, demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat et demande-lui kadalik al-azima al-rujd. Al-rujd, c'est la guidée. Demande-lui l'azima, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te donne cette envie. Ahyalan, tu ressens, et on ressent tous de la faiblesse, on a du mal à se motiver dans certaines choses. Al-qulub بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء عز وجل. ثم دعا الله سبحانه وتعالى أن يثبتك أن يرزقك هذه العزيمة qui te donne de la motivation, qu'il te facilite. Vous avez remarqué que certains ils ont énormément de facilité. أحيانا tu vois des gens faire des choses, des ركعات la nuit مثلا أو la lecture du Coran أو le jeûne أو dans le ilm, il voyage هنا, il va هنا, il apprend. Et un tas, tu te demandes comment il fait, subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite. Robama, tu es plus fort que lui physiquement. Peut-être que tu as plus de moyens, plus d'argent, etc. Lakin at-tawfiq si biyadillah. Fa demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala karim. Il donne à ses serviteurs sincères. La deuxième cause, al-ikthar min dhikr al-mout. Hada taqaddam ma'ana. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, akthiru min dhikr hadhim al-ladhat. هذه اللذات سي الموت اي الموت سا بريز سا سانتيربوز انتر العبد اي سي بروجي سي تنتاسيون انا celui qui meurt il quitte cette dunya. Le fait de se rappeler de hada ça peut s'arrêter à tout moment, فلعله ça va te pousser, te motiver à faire certaines choses. الحديث رواه الامام الترمذي اي الشيخ الالباني رحمه الله حسنه. الامام ابن الجوزي رحمه الله قال في تذكره في الوعظ في التذكره في الوعظ ولا يؤنس في وحشة القبر إلا العمل الصالح. كذلك تذكر هذا الموقف. Un jour, tu te retrouveras sous terre, dans une houffra, dans un trou. Et tu auras que seul un seul autour de toi. Personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra te donner. إلا الله سبحانه وتعالى. Donc tu seras seul et ce jour on doit le préparer. كما جاء في الحديث حديث البراء رضي الله عنه أن الإنسان quand il se retrouve dans sa tombe après avoir été interrogé, il sera accompagné d'une personne. Certains ça sera une personne avec un bon visage, une belle odeur, etc., une bonne odeur, etc. Et d'autres ça sera une personne avec un mauvais visage, une mauvaise apparence, une mauvaise odeur. Il est arrivé. La personne avec la belle apparence, c'est l'a'mal as-salihah. La personne avec la mauvaise apparence, la mauvaise odeur, iyadan billah, c'est les mauvaises actions de hada al-insan. Enfin, prépare ce jour. Prépare ce jour. Certains, ils ont des projets fi dunya très très loin, ils voient très très loin, avec énormément de manquements dans le din. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cette dunya. Ils aiment cette dunya, ils se préparent. Certains, ils ont des projets, il faut qu'ils construisent cette maison ici, il faut qu'ils achètent un appartement huna. On le répète, hada c'est halal, tant que c'est permis, tant que ça ne contredit pas notre din. Mais on ne doit pas négliger hada. Pourquoi? Il y en a ce projet que tu as fait de dunya, acheter cet appartement, faire cette maison, tu as besoin de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Allahu alam, est-ce que tu vas réussir? Tu ne sais pas. Allahu alam, est-ce que tu auras le temps? Peut-être que tu vas mourir et c'est tes enfants qui vont tout récupérer après toi. Allahu alam. Amma hadhihi al-manzila. Cette situation, cet endroit, ce trou, on est tous concernés. Yaqinan. Contrairement à Dunya. Peut-être qu'on n'a pas d'appartement, on n'a pas de maison. On loue, on essaye de Hakada se débrouiller à droite, à gauche. Et peut-être que tu mourras et tu n'as jamais eu de maison. Et Alhamdulillah. Lakin. Hadhihi ad-dar. Hadha al-qabr. Yaqinan. Anna. On est tous concernés. Enfin, comment délaisser de préparer hada et s'occuper avec quelque chose d'éphémère? On ne sait même pas est-ce qu'on va en profiter. Et al-mu'min, al-mu'affaq, il néglige pas les deux. Il fait des efforts dans le dunya sans dépasser les limites. Et les plus grands efforts et son juhd akthar, c'est concernant l'au-delà. Kadhalik, suhbat al-akhyar, la troisième cause. Les bonnes fréquentations. لأن الصاحب ساحب كما يقولون الصاحب ساحب ton ami
ton compagnon, tes fréquentations, elles t'attireront. Si c'est des hommes pieux, ils t'attireront vers le khayr. Si c'est des fujjar, fussaq, ils t'attireront vers le shar. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Mathalu al-jalis al-salih, wal-jalis al-souk, hamil al-misk, wa nafikh al-kir. » Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé la bonne fréquentation au vendeur de parfum, la mauvaise fréquentation au forgeron. Là, chacun a le vendeur du parfum, tu profites. Tu sens de la bonne odeur, il peut te donner un peu, il peut te mettre un peu de parfum. Là, chacun a le fait de rester à côté de lui, tu profites. Le forgeron, le fait de l'approcher, tu risques imma de te brûler, imma de sentir une mauvaise odeur, imma des trous dans tes vêtements. Ah, kada les bonnes et les mauvaises fréquentations. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-mar'u 'ala ad-din khalili. Si tu fréquentes des gens qui font des efforts fi hadhihi al-a'mal, si tu as des manquements, ils vont te rappeler. Si tu as des faiblesses, ils vont t'aider. Ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa. Amma al-ashrar. Rubama anta un jour tu as un moment d'éveil et tu veux faire un khayr, fa rubama les premiers qui vont t'écarter de ce khayr, c'est cette mauvaise fréquentation. Kadhalik, parmi les causes très très bénéfiques, dirasatu sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa sirat al-Sahaba radiyallahu anhum, wa sirat a'immati al-Huda min al-Salaf al-Salih, rahimahumullah, jami'an. Ça c'est très très bénéfique. Liyanna shaytan ahiyanan, il essaie de te faire croire que ce que tu fais, c'est le top. Shaitan, yuharib l'insan hakada. Khasatan, quand tu es entouré de gens faibles, ignorants, qui ont énormément de manquements, enfin, t'as le peu que tu fais, Shaitan, il te fera croire que c'est quelque chose de azim. Si tu lis la biographie du prophète, alayhi salatu salam, si tu lis la biographie des compagnons, radiyallahu anhum, si tu lis la biographie des salaf fi al-ilm wa al-amal wa al-ibada wa al-akhlaq wa al-jihad, dans tous ces points tu vas très vite t'apercevoir annaka, tu es daif et je suis daif et on vit dans un monde de daif. Lakin hada, ça va te motiver, ça va te motiver. Maintenant tu as appris une risala de 50-100 hadith, Shaitan il ne va pas te gonfler. Tu sais que min a'immat as-sunnah, ils ont appris 100 000 hadiths, 200 000 hadiths. Fi hadha al-hal, tu vas comprendre que 100 hadiths, tu viens de commencer. C'est le début du début. Ça va te motiver, bi-idhnillahi azza wa jal. Hadha c'est min anfas wa anfa' al-asbab. Le fait d'étudier la biographie des prophètes et des messagers qui étaient avant nous, et des compagnons radiyallahu anhum, et des imams de la communauté. La dernière cause, et on l'a cité, كثيراً الدعاء. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit يا معاذ إني أحبك. Il a dit يا معاذ je t'aime في الله. ثم il lui a dit أوصيك يا معاذ je te conseille tellement qu'il l'aimait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le khayr pour Mu'ad et pour tous ses compagnons, mais pour tout le monde. Il a dit à هذا الصحابي الجليل لا تدع في دبور كل صلاة أن تقول أي ne délaisse pas ces paroles après chaque salat. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله aide-moi concernant ذكر pour ne pas tomber dans l'insouciance, toujours se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ذكر. Que ce soit bil-lisan, bien sûr bil-qalb, avec le cœur, avec la langue ou avec les membres. Qala wa shukrik, kadalik, être reconnaissant. Et le fait d'être reconnaissant, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'ajoute, il te donne encore plus de guider, de science, de mise en application, pouvoir mettre en application hada al-ilm. Qala wa husn ibadatik, al-amal al-salih. Husn ibadatik, une ibadah qui est fondée sur al-ikhlas, qui est fondé sur le Coran ou le Sunna, le hadith rawah Abu Dawud et sahahahu l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fa hadhihi muqaddimah
مختصرة قبل الشروع في قراءة هذه الرسالة. Répète, هي عبارة عن جواب. C'est la réponse à une question. C'est une fatwa. Et ils l'ont imprimé dans Al-Fatawa al-Sa'diyya, dans son majmou', dans la série qu'ils ont imprimé tous ces livres. Il y a un volume, c'est des fatwa, des questions-réponses. Et ils lui ont posé une question sur Al-Asbab ou Al-A'mal, التي يضاعف ثوابها. Et les causes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle action pour que la récompense elle soit multipliée? C'est pour ça que Hadil Muqaddima, c'était sur l'amal al-salih, thumma l'étude de cette risala, des points importants. Anna hadha l'amal al-salih, si tu respectes certaines choses, yarhamukallah, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il peut multiplier hadha l'amal énormément de fois. Ça peut aller jusqu'à 700 ou plus. Un amal. Ça c'est un fadl min Allah. Azza wa jal. Et on commencera, incha'Allah ta'ala, à partir de mardi. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Wa naktafi bihada. Walhamdulillahi rabbil alameen.